Dans cette capsule, on va revenir encore une fois rapidement sur les équations des lentilles et le problème à deux lentilles. On va faire un exercice ensemble et je vais vous ramener visiter le document dans lequel il y a plusieurs exercices qui sont déjà résolus. Or, si on revient à nos diapos, on se rappelle ce qu'on a à faire dans un système où il y aurait une lentille ou plusieurs, on a à trouver l'image de deux façons, soit par calcul avec la méthode analytique pour laquelle on a l'équation pour trouver la position de l'image, mais également le grandissement. Ça, c'est la méthode analytique. Et par la méthode graphique, on se rappelle, on a nos trois rayons qu'on appelle des rayons principaux. Le rayon 1 qui entre de façon parallèle à l'axe optique et dont on a montré qu'on pouvait dire que c'est un rayon qui provient de l'infini. Un rayon 2 qui est un peu la réciproque, celui qui est en parallèle et réfracté vers le foyer image. La réciproque, ce serait un rayon qui passe par le foyer objet et qui est réfracté parallèle. C'est notre rayon numéro 2. Et on a le rayon numéro 3. Qui passe par le centre de la lentille et qui en émerge toujours de façon non réfractée, qui nous servira également à calculer le champ de vision et qui nous permet d'obtenir cette équation-ci pour le grandissement de la lentille. On a regardé différentes possibilités pour le traçage graphique, la méthode graphique, quand l'objet est une lentille convergente. L'objet est à l'extérieur de la longueur focale, c'est assez clair. Lorsque l'objet est à l'intérieur de la longueur focale, le rayon numéro 2 peut évidemment pas venir du foyer objet. Le foyer objet est derrière l'objet, mais ça va être un rayon qui atteint la lentille comme provenant du foyer objet. Et après ça, on lui applique les mêmes traitements et on voit que ces trois rayons-là sont divergents. De quoi on conclut qu'on a affaire à une image virtuelle. On se rappelle que par notre convention de signe, le calcul, quand on ferait le calcul après la méthode graphique, devrait trouver une valeur négative pour la distance image Q. L'image est toujours située là où les rayons font intersection, alors on prolonge les rayons derrière la lentille et on trouve l'image qui est non inversée. Pourquoi? Parce que dans le grandissement, M égale moins Q sur P, avec Q négatif, ça donne moins moins, ça donne P. Dans ce cas-là, l'image est non inversée. On a regardé le cas de lentilles divergentes. On a toujours les mêmes trois rayons, mais là, ils doivent être interprétés de façon différente. Le rayon entrant parallèle est réfracté, mais comme provenant du foyer image, qui cette fois-ci est du même côté que l'objet. Le rayon qui s'en allait vers le foyer objet est réfracté lorsqu'il arrive à la lentille, réfracté parallèle, et comme toujours, on a notre rayon qui passe par le centre de la lentille sans être réfracté. Et encore là, on voit que les trois rayons physiques du côté où s'en va la lumière ne convergent pas. On a une image virtuelle. On va trouver l'image là d'où les trois rayons semblent provenir, là où ils font intersection, l'image virtuelle. On a ensuite regardé le cas de deux lentilles. Avec deux lentilles, le point primordial, c'est que l'image de la première lentille devient l'objet, donc la source des rayons pour la deuxième lentille. Cet objet-là peut être un objet réel si les rayons convergent vers la deuxième lentille, mais il peut être un objet virtuel, pardon, si les rayons convergent vers la deuxième lentille, la deuxième lentille aurait donc un objet virtuel. Si les rayons divergent en dehors de la première lentille et arrivent divergents à la deuxième lentille aura un objet réel et on doit appliquer correctement notre convention de signe en appliquant les formules 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur F à l'une ou l'autre des lentilles. On regarde ici, on a appliqué la méthode graphique d'abord à la première lentille. On a un objet ici, on trace
un rayon parallèle qui va être réfracté comme provenant du foyer d'image. On a un rayon qui passe par le centre et bon, on a tracé que ces deux rayons-là. On voit que les rayons physiques divergent. Par conséquent, la deuxième lentille aura un objet réel. Quand on calcule le Q1, la position de la première image, bon, on fera 1 sur P1 plus 1 sur Q1 égale 1 sur F1 et on devrait trouver une image virtuelle, donc un Q1 négatif. Dans l'exemple, on avait trouvé 5 cm, si je me rappelle bien. Vous regarderez l'exemple 6.7 dans le manuel. Cette image-ci devient donc l'objet, la source des rayons pour la deuxième lentille. Alors, on prend un rayon, un de ces, il y a une multitude de rayons. On en prend un qui est parallèle, incident à la deuxième lentille, il va être réfracté en passant par le foyer image. Et on en prend un qui passerait par le foyer objet de la deuxième lentille, réfracté parallèle, et on trouve la position de la deuxième lentille. Et à partir de là, on a été regarder ensuite les applications des équations, donc de la méthode analytique. Je vous rappelle que vous aurez à faire un exercice comme ça, par les deux méthodes, graphique et analytique. Et ça doit donner les mêmes résultats à quelques pourcents près. Il ne s'agit pas de trouver la réponse dans un des modes et ensuite de trafiquer la deuxième méthode pour que ça donne la même chose. Si vous arrivez à des réponses très différentes, c'est que vous vous êtes trompé dans l'une ou l'autre des deux méthodes. Je voudrais maintenant aller avec vous regarder une autre sorte d'exercice concernant les lentilles. C'est l'exercice 35 du chapitre 6. Quelle est la distance focale d'une lentille produisant une image à 27,6 cm de celle-ci, du même côté qu'un objet réel, lorsque ce dernier est placé à 19,2 cm de la lentille? Alors, on va aller le regarder ensemble. Il va nous permettre de discuter quelques points importants concernant la façon de traiter ces exercices. Bon, on fait un schéma, vous voyez, c'est très rudimentaire, ça n'a pas besoin d'être tracé à l'échelle. La distance P, on a placé l'objet à la distance telle qu'elle nous était donnée, de 19,2 cm. Et l'exercice disait que l'image est produite à 27,6 cm, mais du même côté que l'objet. On peut donc conclure immédiatement qu'il s'agit d'une image virtuelle. Okay? Les rayons physiques s'en vont dans cette direction-là, mais l'image est derrière, donc une image virtuelle. Dans notre utilisation de l'équation des lentilles, on doit tout de suite savoir que c'est un objet réel, donc P est positif, 19,2, mais c'est une image virtuelle, donc on va entrer le chiffre de façon négative, moins 27,6, et le résultat, on ne sait pas à l'avance si la lentille sera convergente ou divergente. Mais le fait que l'image est du même côté que l'objet nous indique que l'image est virtuelle. On a mis le signe négatif et on a trouvé 63,1. Donc, il s'agit d'une lentille convergente, mais comme vous pouvez voir, l'objet a été placé à l'intérieur de la longueur focale. La lentille obéit alors comme une loupe, agit comme une loupe et produit une image virtuelle là. Votre œil serait de ce côté-ci. Il regarderait à travers la loupe pour voir une image non renversée de votre objet et agrandie. Une note importante. Si dans un exercice, on vous disait, si l'on disait qu'une image est projetée sur un écran, alors si on vous dit qu'il y a une image qui est projetée sur un écran, vous devez tout de suite immédiatement conclure qu'il s'agit d'une image réelle. On peut voir une image sur un écran. Seulement, on peut voir une image sur un écran seulement si les rayons convergent en chaque point de l'écran. Donc, lorsqu'on vous dit que une image est projetée sur un écran, il faut conclure tout de suite deux choses. L'image est réelle et elle est renversée. Une image réelle est toujours renversée. Par conséquent, vous mettriez un grandissement
m égale, m est toujours égal à moins q sur p, mais ça doit donner un chiffre négatif étant donné qu'il y a inversion de l'image. Donc, par exemple, si on dit l'image est grandie 25 fois sur l'écran par rapport à l'objet, vous devriez écrire moins q sur p égale moins 25. Et là, vous dites, vous trouveriez des relations entre q et p. Alors, ceci, cette capsule était très brève pour juste reparler un petit peu de nos exercices. Je vous rappelle que je vous ai rendu disponible un document dans lequel vous avez plusieurs exercices de lentilles minces qui sont résolus graphiquement et analytiquement. Vous pourrez les consulter et faire vos exercices, ça devrait vous aider. Alors, je vais terminer cette capsule-ci et à la prochaine, nous allons commencer à regarder l'œil humain.